Au-delà des effets de la crise sanitaire, 2020 a encore renforcé des tendances structurelles du marché. Nos clients, professionnels ou particuliers, privilégient toujours plus nos produits de location packagés avec service. Pour nos clients, ça signifie une amélioration du coût total d'utilisation du véhicule, plus de sérénité et plus de sécurité. Mais le développement de ces offres locatives avec service entraîne aussi un renouvellement plus rapide des véhicules et booste ainsi le marché de l'occasion. Cet engouement pour le marché de l'occasion, il va se poursuivre sur les prochaines années, accéléré par l'augmentation continue des offres locatives, mais également par la professionnalisation de l'offre véhicules d'occasion dans nos réseaux. Enfin, le marché des véhicules électriques et hybrides est en croissance pour répondre aux besoins des automobilistes d'une mobilité plus en phase avec les défis d'aujourd'hui et de demain. D'abord, nos résultats commerciaux soulignent que RCI Bank & Services répond déjà à ces nouvelles demandes. Notre taux d'intervention global est en 2020 de 65%. C'est une performance commerciale record avec une augmentation de 6 points par rapport à 2019, qui était déjà notre précédent record. Donc une dynamique commerciale forte. Pour autant, notre ambition est de poursuivre encore le développement de notre performance en renforçant nos offres de location avec service pour les véhicules neufs comme pour les véhicules d'occasion et aussi en développant des offres flexibles. À l'instar de Renault Pass, une offre de location que le client peut arrêter ou modifier facilement et sans frais supplémentaires après un certain nombre de mois. Ou encore avec de nouveaux services comme par exemple VR Liberté qui nous permet de proposer à nos clients véhicules électriques une formule souple de mise à disposition d'un véhicule thermique à raison de 30 à 50 jours par an. Ce service a déjà séduit plus d'un client sur quatre dès son lancement en 2020.